Bonjour à toutes et à tous, c'est Sir Bancal et on se retrouve sur Warhammer 40 000 Bold Gun. Et oui, on continue, on est proche de la fin à mon avis, il nous manque une arme. Chaque fois on nous dit qu'on s'approche de l'artefact et on va continuer, on en était à Hérésie dissimulée. Des archives secrètes situées au fin fond de la chambre forte. C'est d'ici qu'est dissimulé le fragment. Atteignez les archives avant les hérétiques et leurs alliés démoniaques. Espérons que nous n'arrivons pas trop tard. Compétences et ils ne connaîtront pas la peur se recharge quand vous tuez les ennemis. Oh bien. Quelle est cette compétence? Commande personnalisée. Ok. Votre compétence. Et oui, provoquer c'est juste. Juste se marrer, bon. Mettons, pas grave. Fragment accessible, conteneur de stockage ouvert. Agissez rapidement. Ok. Bon bah là, tranquille hein, jusqu'ici. Demi classique. Et toujours ces fameux petits panneaux. On a encore un couloir qui se divise. Oh super, il y a ceux-là. Moi aussi j'ai une arme plasma. Eh bien, il n'a pas bougé, ça me va. On va aller voir vite fait l'autre côté. Petite grenade dans les dents. Oh non, pas cela. Oh, esquive. Esquive de la langue. Ok, ça revient sur cette salle là, c'est pas un souci. Ici j'ai pas pris la vie. Ok, là c'était là où il y avait le crapaud je suppose. Zut. Ok, élimination de vengeance. C'est pas mal parce que quand on apparaît, on nous en donne pas beaucoup. Une porte au bout, non. Ma foi, t'as pas d'autre choix que d'aller par là pour l'instant. Wow, wow, wow. Attention au crash à verre. Et sympa ce niveau. Le début en tout cas est plutôt cool. Il allait me lancer un truc. Je l'ai vu. Il était armé. Monsieur le juge. J'ai vu, il s'est retourné, il allait me lancer une boule verte. Et il fallait le tuer. Il fallait absolument le tuer. Sinon, sinon j'allais être blessé, comprenez. Et ma vie ou la sienne. Rien de spécial. C'est un peu trop calme. Un mec hein.
forcément au moins un ennemi. Là. Bah, les lasers sont pas très rapides. Le système de défense, on a vu pire. On a vu mieux plutôt. Pas me baisser donc. Et oui, là il y a des trucs, ok, super. Petit crâne. Ok. Ok. Le mec qui hurle, mais je sais pas où il est. Là. C'est de gros mécanisme là. Ouais. Petite porte cachée, non. Côté alors. Encore un espèce de mécanisme. Il y a des munitions spéciales, très bien. Munitions de bolter vengeance. On a l'arme vengeance, on a le bolter vengeance. Plein de munitions. Et des pics pour pas qu'on y aille, très bien. C'est fait. Ok, bon, jusque là, c'est tranquille. Doctrine d'assaut, allez, on attaque au corps à corps. C'est tout ? Bon, décevant. On a pris le pouvoir pour ça. Un peu décevant, mais bon. Rien d'autre ici. Un peu de vie là, ah, au max. La foi. Continuons. Ah. Génial. Cadeau. Petit bout de cerveau. Ah, je peux pas revenir en arrière. Super. Oh, plafond descend. Génial. Je trouve la sortie d'ici là, quoi. Et je suis mort. Ok, faut foncer absolument. L'affiche. Rien à fiche. Là-bas. Très très bonne idée ça. On va mourir hein. Sauvegarde, sauvegarde rapide, sauvegarde automatique. Ah, super, bon bah. C'est pas mieux que la dernière fois hein. Bon, je vois pas pourquoi je me suis fait suer à les tuer, parce que de toute façon, ils vont tous mourir. Hop, portail.
Ok, je suis revenu là, très bien. Encore de la vie à récupérer quelque part. Pas sûr, mais bon. Regardez quand même. Est-ce que j'emmène pas large? Oui, il y avait les lasers au vent. Ouais. 4. 8 PV. Pas jusqu'à dire que c'était utile de faire ça. Ah non, ils sont encore là. Est-ce que le plafond va se réabaisser ou pas? Bien sûr que oui. Bon bah c'est la mort. La mort qui m'attend. Ouais. Ah bah en plus il me ramène là. Super, magnifique. Aïe. Dégage. Ok, vous savez quoi? On va recharger, mais depuis plus longtemps. Sauvegarde rapide. Les mitrailleuses, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pas se taper le mec qui avait un fusil plasma. On récupère les munitions. Et on sait ce qui nous attend là-haut. Du coup, on peut déjà s'amuser. On va prendre le fusil plasma. Donc, il est fini de tirer. On tire, on se bouge. Tire, on se bouge. Heureusement, ils sont très très bêtes. Hein. Ok. Sur la grenade, mais ça devrait aller. Voilà. Show max. Petit enregistrement et donc là on va avoir des problèmes. Prendre le vengeance. Voilà. Des copains qui jouaient. Non, ça va. Donc on sauvegarde. On prend la furie sanguinaire. Je sais déjà plus où il faut aller, ici. Ah, je suis déjà mort. Ah, dis donc. C'était rapide.
Allez hop. Et voilà. En rechant. On tuera pas tous les ennemis parce que j'ai pas envie de me refaire 107 fois le dédale. Ah, il y a le laser aussi, on aurait pu prendre ça. Ouais. Le tir en continu aurait été pas mal. Oh la classe! Ok. La Space Marine, hein. Bon, nous... nous donner autant d'armure que ça. C'est bien qu'il y avait un truc. Bolter lourd. Lance, fuseur, on va recharger. Ouais, c'est... ça fait pas tant de dégâts que ça en fait. Hein. Il y a des bons dégâts sur la continuité, mais... Allez, petite grenade dans vos pieds. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Wow. M'attendez pas à ça. C'est un peu court, ma foi. Par contre, c'est sympa qu'il explose en petits morceaux. J'ai toujours pas trouvé de Mechanicus. Il était peut-être dans le labyrinthe, hein, dans le dédale. Ouais, il marche bien ce temps quand même. Le tromblon. Et les munitions, pourquoi pas. Plusieurs pompes dans les dents. Ça fait mal. Il y avait encore de l'armure. Plus du tout. C'est pas grave. Attention à l'envolée lyrique. On arrive à la manière d'un Space Marine, hein. Voilà. On a quand même perdu 50 d'armure, mais bon. Encore trop grave.
Lui, il a été nettoyé. Allez, il va se relever, super. Nécessaire. Il est là-bas, je suppose. Et une petite plateforme sans rien. Ah, avec deux choix possibles. Alors, par ici, ça mène où? Par là, on dirait. Là, par là. Je vois pas la différence. Donc, d'ici. Ok, j'ai trouvé une grenade. Les grenades vortex. C'est-à-dire que si je fais l'un, je fais pas l'autre, c'est ça? Ouais. Sans la défaite. Je vais me laisser mourir pour reprendre le dernier point de passage. S'il y arrive. Bon. Et donc là c'était le choix. Et je vais essayer d'aller de l'autre côté voir ce qu'il y a. Là il y a des ennemis. Super, il a explosé, magnifique. En armure, c'est pas mal. Et pas un secret. Oh. Peut-être ça depuis le début, il y a peut-être des ennemis, des secrets cachés en haut depuis le début. Là, il n'y a pas de secret, mais... Où est l'autre plateforme? Et en contrebas ou... Non, on est à même hauteur. Ouais, bon, ça c'était juste un combat. Rien de spécial à récupérer. On préfère encore avoir le secret. Hein. Okay. Hop là. Hop là. Secret dévoilé. Il n'y a rien là, au cas où. Alors, on sait qu'il y a des copains. Dès qu'on arrive. Pas beaucoup de munitions. Pas beaucoup de munitions. Et... On va prendre le fusil à plasma, hein. C'est quand même le plus utile contre ces mecs-là. Ah, mais le mec il m'est déjà arrivé dessus quoi. Allez, meurs. Je parlais de moi. On va recommencer. Désolé, c'est pas glorieux là. Je peux changer, je mets G pour la grenade vortex. Et de me diriger, hop là. Belle charpie. Voilà, ça c'est fait.
Une spéciale. À mon avis, il y a un secret dans... dans un de ces endroits-là, en surhauteur. Ah, on a toujours pas trouvé de Mechanicus, c'est bizarre. Super. Aïe. Bon, moi, en petit en charpie, il revit pas. C'est déjà ça. Il me reste 32 PV. C'est bien. Exactement ce qu'il me fallait. 17 PV. Et pas de vie. Toi, t'arriveras pas jusqu'à moi. Ok, il y avait un truc derrière qui a explosé, parfait. Crâne qui est revenu d'en haut, ok. Ah mais à 17 PV aussi. On recommence là, super. Alors histoire de pas le refaire encore une fois, je vais sauvegarder. Via plasma c'est quand même le mieux que j'ai. C'est le vengeance mais diminution, là je vais avec 32. Voilà, finalement je vais lancer la grenade dessus, il est mort. Parfait. Bon, l'autre, si Java va le surprendre. Ouais, il n'a pas le temps de réagir. Il me provoque et après il meurt. Chargé. Voilà. Pas mal aussi ça. Charpie. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ouais, bon, tant pis.
Toujours pas de vie ou d'armure. On a des gens qui marchent, on dirait. Bon, ça a été le petit bout de chair, peut-être qu'il n'arrivait pas à trouver une position. Bon, c'est bien un mec qui marche. Tiens, mange ça. Eh bah dis donc. Je veux ma gueule, je vais mourir parce que le jetpack m'envoie pas assez loin. Vraiment rien touché quand vous êtes au jetpack. Vous ne touchez pas les touches. Parce que ça vous fait, je sais pas, ralentir je suppose. Oh, il y a peut-être un truc là à récupérer. Peine de munitions, ça c'est pour ouvrir. Ok, donc là je vois rien. De l'autre côté j'ai vu un truc. Il vole. Voilà. Vous continuez plus loin pour voir. La vie, c'était tout. Ouais. Comment on revient après? C'est la bonne question. Y aller, c'est facile. Il y a ça là qui dépasse. On va essayer de se mettre dessus. Voilà. Ouais, 100 PV. Ah. Ouais, ça a l'air d'être une grosse salle de baston. Et de la vie en dessous. En mauvais. Ouais. Bonjour monsieur. Ah, le sorcier, ça faisait longtemps. Et tuer tous les ennemis. Pour se concentrer sur le sorcier après. Ah mais oui, mais sans moi les ennemis que j'aime bien. Ça je suis content. Ah puis il y en a plein. Ah mais c'est le sorcier qui les fait pop celui-là. Ah non, c'est qu'il est protégé tant que... Il doit être protégé tant que celui-là n'est pas mort. Eh ben on va le tuer hein. Y'a que ça pour vous faire plaisir mon ami. Oh wow, wow, je mange tellement cher. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ah oui, d'accord. C'est un drone fétide, d'accord. Ok. Ok, il a un bouclier, super. Super, j'ai utilisé mon bouclier, visiblement. Qu'est-ce qu'il me reste comme arme? Ça c'est pourri. Ça, ça fait de gros dégâts. Ouais, alors au corps à corps, c'est peut-être moins une bonne idée.
peur des méchants qui pop. Ouais. Là, c'est chaud patate. Ceci dit, c'est logique. On a eu plusieurs fois le début du changement. Là, on va avoir plusieurs fois la version... dans le décor. Ça lui fait tellement pas mal. Ah bah il s'est mis en bouclier. Il faut payer les mecs, c'est génial. À la vie qui est en dessous. Qu'est-ce que c'est ça? Un crâne? Ça sert à rien. Ça c'est nettoyé. Je mange tellement cher de partout. La salle est pas très grande donc je peux pas vraiment manœuvrer. Plus de vie nulle part. Et vu le nombre d'ennemis. Mais derrière le sorcier, il fait un peu mal aussi. Il est où le machin volant là? Ah bah oui, il a mis. Et puis rayon magique d'un coup, tiens. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je peux pas prendre aussi peu de dégâts. Je vais être à l'abri dans les tunnels peut-être. Le sorcier, mange ça. Mange-en un deuxième. Alors par contre, les mecs... Non, je veux bien être sympa. Autant ça fait beaucoup d'ennemis. Une salle toute petite. Ouais, ces petites merdes là qui sont au niveau du sol, qui tirent. Super, je me suis lancé la grenade dessus, ça explose directement. Rien, on dirait. Bon, lui, il fait bien mal. Ah, mais les champions aussi, bah oui. C'est vrai que j'étais pas assez dans la merde. Faut me mettre des champions.
Ah non, 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 le champion. Non, 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 tu me poursuis, je sais. J'ai pas envie de te voir, moi. Ouhouhou. Bonjour, il me reste 49 PV. Oh non, mais... Que je vais faire ça, mais voilà, le champion va taper par derrière, c'est génial. Ah, c'est... j'y arrive pas. On va être honnête. Bon, je crame toutes mes armes, les meilleures. Trop d'ennemis partout. Les nouveaux mecs qui sont apparus. Ces mecs là. Allez, me suis blessé. Non, je pense pas que j'esquive si mal que ça, mais. De sauter et tout pour essayer de. Que si je m'occupe de lui, je m'occupe pas des ZAD. Un APV, ce requin. Ok. Ok. Allez, un gros crapaud maléfique. Un petit crapaud maléfique. L'ennemi, là. Ok, il y en a de nouveaux qui sont apparus, des petites merdes déjà. Il n'y a pas que ça. Ah, il y a des gros crapauds, évidemment. C'est un petit. Il y a le champion qui est mort. Il se relèvera pas. Parfait. J'ai fait une sauvegarde rapide au plein milieu du combat. Faut jamais faire ça, normalement, mais bon. J'ai un peu de vie, j'allais dire. J'ai l'impression qu'il reste plus que le boss. On dirait. Non, bien sûr qu'il reste pas plus que le boss. Ok. Il fait mal le boss, hein. Oui ou copain. Eh bien. Tu te téléportes, super. Il remet les mecs, évidemment. Ça meurt.
On s'est dit, eux, c'est pas mal, ils me redonnent une grenade normalement, donc. Ah, il me reste de la villa, super. Donc c'est bien qu'il réinvoque des mecs à l'infini, ce mec-là. Ça fait deux fois ou trois fois qu'il réinvoque un petit soldat. Un petit soldat. Aïe. Oh, le rayon magique que j'ai pas vu venir. Allez, prends-toi le tromblon, la puissance du tromblon dans les dents. Oui, il est mort. Et c'était porté. Ah. Ah. Oh. C'est encore plus chaud que la salle où on était là. Parce que là, niveau armure et vie, ils étaient chiches. Hein. Ok, bah c'était un combat de longue haleine. Hein. On a même pas trouvé de Mechanicus. Hyper hard, je trouve. Mais bon, on a réussi. C'est déjà ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien dans la suivante, je pense que ça va être la fin. Parce que, a priori, on monte dans le vaisseau. Faut arrêter le sorcier. Certainement le dernier niveau. Peut-être juste deux niveaux de vaisseau. On verra. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.